Yo les amis, c'est Lexetier, vous allez bien ou quoi? Aujourd'hui les potes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pas qu'opening sur FIFA 17, alors je sais que pas mal d'entre vous n'aiment pas trop les vidéos FIFA 17, je le vois au nombre de vues, etc. Mais je sais qu'il y en a quand même pas mal qui aiment les vidéos de FIFA, donc je vais continuer à en faire les potes. Et donc aujourd'hui, petit pack opening, gros pack opening quand même, puisqu'on va ouvrir 10 packs à 15 000 crédits. Il y a une Team of the Week vraiment très sympa avec du Eden Hazard, du N'Golo Kanté et plein d'autres gros joueurs. Mais il y a aussi les cartes Ultimate Scream les potes, donc comme vous pouvez le voir, en plus elles sont améliorées, c'est-à-dire qu'ils ont pris un boost de fou. Par exemple, Douglas Costa, il a 93 de général. Donc franchement les gars, j'espère vraiment que la chance va tomber, puisque depuis le début de FIFA 17, bah franchement on n'a pas eu de chance du tout, on va pas se mentir. Enfin bref, comme d'habitude les potes, si vous voulez voir plus de vidéos en pack opening, n'hésitez pas à exploser la barre de likes. Si on pouvait atteindre les 2000 likes ce soir, ce serait vraiment génial. Et donc écoutez, c'est parti, je vais pas parler plus que ça, on se retrouve directement pour le pack opening. Bon les gars, c'est parti, j'espère vraiment que la chance va tomber, parce que franchement depuis le début, bah comme j'ai pu le dire tout à l'heure, franchement on a que de la merde. Allez, un gros joueur s'il vous plaît. C'est qui? Meilleur, d'accord, 80 gen, franchement il a de bonnes stats, hein, 85 en dribble. Premier pack, ah c'est correct. Ah oui, et aussi les mecs, j'ai pas pensé à vous le dire, je me suis qualifié pour le FUT Champion, donc je vais essayer de faire une vidéo là-dessus. Je vais essayer de faire la ligue week-end, donc je pense pas que je vais faire les 40 matchs, parce que ça fait vraiment beaucoup. Ah Gradel, franchement il est bon en vitesse, mais j'aime pas trop ce joueur. Ouais voilà, je vais participer à FUT Champion ce week-end. J'espère que je vais être bien classé pour avoir des bonnes récompenses. Mais à mon avis, ça va être très compliqué, puisqu'apparemment il y a vraiment des joueurs compétitifs dans ces modes. Allez, c'est parti, troisième pack à 15 000. Bon, ça va tomber ou pas là? Allez, faut que ça tombe. Waouh, c'est qui? Parero, franchement c'est pas mal, mais bon, 54 de vitesse, non j'aime pas trop, c'est pas tip top. Bon allez les gars, petit nos pack, j'espère qu'on va toucher du lourd, mais si ça change strictement rien, on va pas se mentir. Allez Harry Kane, donne-moi du lourd. C'est qui? Ah putain. Bon allez, petit pack, je me retourne cette fois-ci les gars, allez, donnez-moi du lourd, allez, je regarde plus, c'est des nazars sur le pack d'animation, allez. Montréal, putain, tu peux pas me donner Bellerin d'Arsenal, je sais qu'il est dans la team Ultimate Scream, en plus il en a amélioré 90 de gêne, ça aurait été monstrueux, mais bon, c'est Montréal. Tu payes des points FIFA pour au final qu'ils te donnent des joueurs argent dans un pack or, quoi, c'est foutage de gueule. On est déjà à la moitié de ce pack opening, allez, 5ème pack à 15 000 ou 6ème, j'ai pas fait attention, allez. Toujours pas d'animation, hein, franchement on l'aura jamais, c'est abusé les gars. Une Chinson. Eh les mecs, franchement, ils sont en train vraiment de se foutre de ma gueule, c'est abusé. Putain, j'ai ouvert avec mes crédits, non, j'ai fait n'importe. Allez, donnez-moi du lourd là, c'est bon, c'est chiant d'avoir que de la merde. Oh les gars, mais non! Mais non, une carte Team of the Week, c'est qui? Orellana, le chilien, eh, c'est une des meilleures cartes de la Team of the Week cette semaine, mais non, ça fait grave plaisir. 84 de général, 85 de vitesse, 87 de dribble. Ah ouais, d'accord, il coûte que 20 000, putain, la fausse joie de c'est carrément. Bon, ça fait quand même plaisir, hein, c'est 84 de général, une carte Team of the Week. Eh bien, écoutez, c'est le premier pack opening dans lequel je suis satisfait pour l'instant depuis ce début de FIFA 17. Et en plus de ça, les potes, on a eu également Juan Fran, il est pas mal, c'est le défenseur droit de l'Atlético Madrid. Écoutez, on va placer tout ça sur la liste des transferts et on va poursuivre le pack opening. Allez, il reste 3 packs à 15 000, j'ai pas envie de m'arrêter là, allez, donnez-moi encore du lourd s'il vous plaît. Allez, une animation, toujours pas d'animation, c'est qui? Ah non, Pizzi, non, je veux pas de toi. Royce, donne-moi du lourd s'il te plaît. Non, c'est qui Marquinhos? Non, donne-moi Thiago Silva s'il te plaît. Bon après, il y aurait une animation, tu vas me dire. Mais franchement, Marquinhos, on l'a déjà eu dans des packs opening, là, ça fait chier, je kifferais avoir une petite animation que je n'ai pas encore eu. Ça serait bien de finir en beauté, les potes, là, si on touchait une carte Ultimate Scream. D'accord, une carte noire, d'accord, bah on finit bien le pack opening, on va dire. Non, je rigole, c'est vraiment rincé. Guerrero, enfin, j'aime bien ce joueur, en plus, hein. C'est pas que je l'aime pas, mais bon, c'est une carte noire et ça vaut strictement rien. Bon voilà les potes, le revoilà, le petit joueur Team of the Week qu'on a packé. Franchement, il est vraiment énorme, hein, ce que je peux voir, il a 4 étoiles mauvais pied, 4 étoiles gestes techniques. Et il a vraiment de très bonnes stats. Ça fait franchement grave plaisir, même s'il vaut pas super cher, on va dire. Enfin bref, les potes, j'espère vraiment que cette petite vidéo pack opening vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à exploser la barre de like, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, 2000 likes sur cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez ouvert des packs pour cette team Ultimate Scream et également la Team of the Week de cette semaine. Et à me dire si vous avez packé du lourd. Et donc écoutez, d'ici là, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Lexetier. Ciao, ciao.